et c'est Ange Rouge. Je vous retrouve pour la suite du Notsoberry Challenge. Voilà, donc dans le dernier épisode, ça c'est Nestor Poiscaille, c'est le chéri du coup de Scarlett. Alors, voilà, on en était là, exactement, je n'ai pas du tout joué depuis. Oh là là, elle a ses chaleurs, elle. Ah ouais, bon bah ça je sais pas du tout comment ça se passe aussi, alors on verra bien. Mais où ils vont? Non, 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 ça y est. Non, non, où tu vas? Bah va dormir, tu as raison, hein, écoute. Hein. Je crois que... ouais, il s'en va, ok. Elle, elle travaille dans 10 heures, donc bah voilà, hein. Oh, Neige a besoin de câlin. Allez, hop, un petit câlin. Si tu peux, d'ailleurs. Tu peux ou pas? Ouais, c'est parfait. Allez, divertissement. À la fin, je vais peut-être la faire manger d'abord. Enlever la nourriture gâtée. Je vais la faire manger. Un truc vite fait, là. À mon avis, je sais même pas si elle aura le temps, en fait. Si, ouais, 4 heures. Ouais, ça va. Elle aurait besoin de prendre une bonne douche aussi. Allez, si tu te dépêches, tu vas manger. Après, en fait, je pense que je vais la faire jouer. Bon, je vais lui donner un petit coup de main. Hein. Hop là. Et voilà. Comme ça, elle sera de bonne humeur, je pense. Fait de... Avec la logique pour aller bosser. Et idéalement... Oh non, elle a envie d'aller aux toilettes. Bon, ça, à la limite, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu dis, toi? Non, 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 je veux pas. Ah oui, merci. Ok. Allez, vas-y, tu continues. Ah, remarque, je vais peut-être aller lui faire prendre sa douche. Nestor Poiscaille, je pense beaucoup à toi et je voudrais te proposer un rencard. Ah bah oui, mais mon coco, pas maintenant, hein. Il va falloir que je le fasse aussi aménager ici. Et je suis en train de calculer qu'elle a vraiment... Elle a vraiment... comment dire... Oui, je rejoins. Je vais y arriver. oui, donc je disais... Elle a pas mal de factures à payer dans cette maison. Parce qu'elle est, elle est grande, il y a plein de... Enfin, elle est grande. Elle est, oui, voilà, elle est fournie, on va dire. Donc elle a pas mal de taxes. Expérience du jour, bienvenue au laboratoire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah oui, vas-y. Allez, va aux toilettes. On va aux toilettes. Et elle a pété les toilettes, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Il y aura bien quelqu'un de gentil qui va réparer. Alors, Wade. Wade Walker, il est où? Discuter avec Wade. Ben ouais, mais... Ah, il est là. Il est là. Allez, on va discuter alors, du coup. Bon, elle a pas eu le temps de prendre sa douche, hein, tant pis. Salut. Ah, voilà, c'est bon. Je me demandais si ça avait marché, en fait. Demander un métal. Alors... On peut pas. Analyser un métal... Si, pourquoi on peut pas? Si, on peut. Allez. Bon, on va voir si à la fin de sa journée, elle peut inviter son chéri et s'il peut habiter avec elle. Alors, je sais pas dans le challenge si on a le droit de garder l'argent éventuel que le la personne amène. J'ai pas lu l'inverse, donc du coup, bah, je pense qu'elle veut garder. Hein. Ça m'arrangera pour les finances, en fait. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oui, non, 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 mais... Oh là là, mais elle fait n'importe quoi! Alors, inventer le rayon sim. Inventer un appareil rayon sim. Allez, on y va. C'est parti.
Ça y est. Enfin, il est long, hein. Ça y est. Rayon 6 m'a monté, mais elle en a déjà, en fait. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Où c'est qu'il est, ce truc? J'ai vraiment pas du tout, du tout... comment dire? L'habitude avec cette carrière. Donc, du coup, j'ai l'impression de tout découvrir. Bon, allez. Vas-y, mets-le dans l'inventaire. Contempler un conservateur d'impulsion. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait de ça? Est-ce que je l'ai? Il est là. Contempler. C'est vrai qu'on peut en mettre un. Ouais, je vais peut-être en mettre un quand même dans l'inventaire au cas où. Histoire d'en avoir un, sur place. Faire la connaissance d'un collègue. Allez. Bah, tu la connais, mais bon. On peut ou pas? Ouais. Allez. Tu vas voir Victoria. Je vais faire sa connaissance. Donc là, c'est bon. Analyse un métal. Prépare un sérum de nourriture. Arroser une plante. Ça, c'est dans mes cordes. Allez, hop. Elles sont où les plantes? Elles sont là. Arroser une plante. Stop, stop, stop. Perds pas du temps. On va récolter. Un peu, histoire d'avoir quelque chose. Stop, 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 arrête. Discuter avec le constructeur d'invention pendant 10 minutes. Analyser un métal. Non, c'est pas là. C'est où? Alors, on va analyser ça. Par exemple... Ça y est, elle est pas contente. Qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? T'as faim et tu pues? Bon, ouais, elle a besoin d'une bonne douche. Nouveau cristal trouvé. En analysant ceci, arc-en-ciel. Ah, j'aime bien l'orthographe, tiens. C'est mignon. Scarlett a trouvé des traces d'un autre matériau qu'elle a isolé. Une pêche. Analyser un métal, préparer un sérum de nourriture. Est-ce que c'est par là? Non, c'est pas là. C'est quoi ici? C'est quoi ici? Non, ça c'est le truc. Ok. Alors c'est où? C'est, c'est là. Préparer un sérum de nourriture synthétique. Voilà. Oh, mais lui aussi il a envie de faire pipi. Allez, vas-y. Oh, ça va, on est dans les temps, donc c'est cool. Bon, ça va. Parfait. C'est parfait. Elle a fini? Ok. Alors, bravo, Scarlett a réussi à créer un sérum. Maintenant, il n'y a plus qu'à le tester ou pas. Oui, je sais, tu pues. Préparer un sérum tout rouge. Allez, vas-y. Bon, alors je vais rester jusqu'à la fin, hein, cette fois, hein, on va voir. Voilà, bon, bah là, elle a... Bon, évidemment, ça a mal tourné, c'était trop haut. En attendant que le temps passe, bon, il reste pas beaucoup de temps, on va aller frapper les caillasses. Allez, vas-y. Tu vas creuser, creuser, creuser. Creuser, creuser et creuser. La dégaine, la pauvre. Oh, bah oui, t'es pas contente. T'as l'air de sentir très très bon. Mais où tu vas? Je t'ai dit ici. Allez, ici. Allez, allez. Elle a du mal, hein. Ça y est. Ah, cool. Scarlett a été promue bidouilleuse junior. Elle gagnera désormais 7 simflouzes de plus par heure, soit 39 simflouzes de l'heure au total. Elle a également reçu un bonus de 256, une lampe de bureau, des nouveaux vêtements, et sa prochaine journée de travail commence mercredi à 10h. Voilà, donc je disais donc, je n'ai pas vu quel jour on était.
Voilà, on y est arrivé. Donc, maintenant, ma cocotte, tu vas aller prendre ta douche. Allez, c'est 19h20. Mercredi, mais elle travaille demain, en fait. Ouais, demain, dans 15h. Ok, allez. Oh, salut, petit chat. Petit chat, envie d'avoir des bébés, mais bon, bof, quoi. Oh, elle a une illumination dans son bain. Oui, je t'avais dit de prendre une douche, mais bon, c'est pas grave, hein. Eureka. Scarlett Berry a fait sa 5e découverte et a noté une idée qui pourrait permettre de créer une aérolampe. D'accord, si tu le dis. Allez, mais ça suffit, stop, le bain, là. Bon, mais tant qu'à faire, tu vas aller faire pipi, et puis après... Ensuite, on va appeler... 13h. Tu peux l'appeler ou pas, ou c'est trop tard? Je sais pas. On va voir. Invité à venir. Encore, mais j'arrête pas de les enlever, ces notifs, là. Allez, ça suffit. Hop. Allô? Salut? Tu veux venir? C'est un peu tard, mais bon, c'est pas grave. Allez, on descend, on va voir s'il arrive. S'il arrive, ouais, j'aimerais bien qu'il habite là, en fait, comme ça, moi, ce serait sympa. Vas-y, tu peux rentrer. Non. Illuminer la journée. Oh, mais c'est mignon, elle l'a même pas fait, mais bon. Il a fait un bisou direct. Mais elle m'écoute pas, hein, cette cimette. Hein. Elle en fait vraiment plein sa tête, quoi. Oh, le chat sur la table. Ça se voit qu'on est chez les Sims, hein, parce que alors là, mon chat risque pas de faire ça chez moi. Salut, tu veux complimenter la tenue? Allez, c'est où Amour, on pour... Non, c'est pas là. Voilà, demander de vivre ensemble. Mais ici! Mais il est parti où encore? Non, mais oui, tu vas à l'ordinateur, quoi. Mais non, mais sérieusement. Allez. Habite avec moi. Tu veux bien? Voilà. Ça, c'est cool. Voilà, comme ça, moi, j'aurais pas besoin de lui courir après à chaque fois. Allez. Bienvenue à la maison. De toute façon, je me dis que si vraiment j'arrive pas à lui payer ses impôts, enfin sa facture, bah, je les ferai déménager dans une maison peut-être plus petite. On verra. Ah, oh, mais c'est trop bien de les avoir tous les deux là, c'est cool, j'adore ce signe, trop mignon. Qu'est-ce que tu dis? Prendre une photo ensemble. Il est vraiment trop mignon ce sim, j'adore. Non, bah, tu veux pas prendre. Bah, ah oui, c'est vrai qu'elle est végétarienne, il faut pas que je me plante. Bah, va manger. Allez, va manger. Et lui, il va où? Alors, dis. Encore? Alors, lui. Petit tour d'horizon. Pro de la pêche. Ouais, mais bah, je pense que. Je vais le faire pêcher, parce que c'est un marin. Et il n'a pas d'emploi, donc je pense que je vais pas lui en donner non plus. Et que je vais le faire pêcher, en fait. Et bah, comme ça, voilà. Ce sera sympa. Bon, pour l'instant, est-ce que tu vas pêcher à... Il y a un truc à pêcher ici ou pas? Ouais. À la fraîche, dans la nuit, à 23h40. Allez, vas-y. Toi, t'as qu'à les pêcher. Et puis toi... Toi, tu vas au lit, mais t'as pas mangé, bien sûr. Et voilà, évidemment. T'as préparé, mais t'as pas mangé. Évidemment, c'est le chat qui mange, oui, bien sûr. Mais bien sûr. Bah écoute, puisqu'on y est, hein, t'as faim, bah mangez, écoute. Mais c'est pas bon, hein, les chats, ils doivent pas manger n'importe quoi, hein. Bon, il y a des ordures, le chat mange sur le comptoir, c'est la fête.
Bon, ben, c'est pas grave, hein. On est chez les Sims, hein, après tout. On fiche un peu. Bon, Scarlett est en train de dormir, c'est parfait. Toi, tu vas pouvoir pêcher tes premiers poissons. Allez. Tu m'as pêché quoi? Tétra. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais les vendre à chaque fois. Hein. On va les vendre, à part s'il y a un truc sympa pour manger. Mais bon, ouais, du coup, elle est végétarienne, elle n'a pas mangé de poisson. Trop de la pêche, niveau 2. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui. Alors, Nestor, il est solitaire, il adore la nature, il est amoureux des chiens et il est collectionneur. Alors lui, il est amoureux des chiens, elle, elle est amoureuse des chats. Peut-être qu'un jour je prendrai un chien, je vivrai déjà, si c'est pas trop galère avec le chat. Bon, c'est bien parce que du coup, lui, il est en pleine forme, mais bon, peut-être falloir aller dormir un moment, quoi. Il attrape plein de trucs. Une perche. Allez, allez quoi celle-là? Qualité excellente. Allez, vas-y, tu vas t'arrêter. Tu vas rentrer. Et on va la mettre au frigo. Bon, mais ça, du coup, tu vas le... Non, tu vas pas le ranger. Tu vas le jeter, quoi. Le chat, il a mangé dedans. On peut pas, hein. Ça, tu vas le jeter. Qu'est-ce qu'elle... C'est quoi, ça? Pièce d'amélioration. Mettre dans l'inventaire. Ça, tu vas le mettre au frigo. Tu vas dire au chat de descendre, là, quand même. Oh, mais il est dégoûtant, ce chat. Sermonner à propos du fait de jouer dans les ordures, sermonner à propos du fait de manger des ordures, sermonner à propos du fait de manger la nourriture des humains, sermonner à propos du fait de sauter sur le plan de travail. On peut pas faire tout en même temps, là. Alors on va dire déjà de sauter sur le plan de travail. Ah, Neige a appris à ne pas monter sur les plans de travail. On a une musique sympa, donc est-ce qu'elle a compris complètement et qu'elle va plus monter? Je sais pas, on va lui faire un câlin. Bon, on sermonne, mais quand même, on est trop cool, hein. Oh, tu es mignon. Hop, on va prendre une photo en même temps. Voilà. Ils sont trop trop chouchous. Cette tête. Faire un câlin. Voilà, allez. Maintenant, tu le poses. Que tu la poses et maintenant tu vas aller dormir. Bon, c'est bien parce que cette maison, il y a déjà quand même tout de près, il y a un berceau. Qu'est-ce que tu as toi? T'as faim? Ben va manger. Il y a déjà un berceau pour le futur bébé, donc c'est chouette quoi. On va descendre. Alors, où elle est? La pauvre, elle a faim. Tu vas manger, tu manges quoi? Des biscuits au fromage. D'accord, alors tu travailles dans 2 heures. Ouh, tu travailles dans 2 heures. Stop, arrête. Tu vas aller jouer. Qu'est-ce que tu dois faire pour ton boulot? Alors, ben rien du tout. Hein. Faire 6 découvertes, parfait. Génial. Il va falloir aussi que je travaille un petit peu cette aspiration. Être peu apprécié par 2 sims. Oh. Le truc que j'adore. Réaliser des interactions malveillantes ou malicieuses. Ça doit pouvoir se faire. Ça doit pouvoir se faire. Salut chérie. T'as bien dormi? Ah ouais, mais non. Non. Tiens, vas-y, joue avec. En attendant. Je voulais pas qu'elle soit enjôleuse en fait. C'était plus fort que moi. C'était un réflexe. Oui, je rejoins. Alors, journée de la récupération d'échantillons. Le laboratoire va manquer de matériel. Vous devez récupérer d'autres spécimens pour que le laboratoire puisse continuer à faire des recherches.
Ouvrez l'œil, le bon bien sûr. Ok. Où tu vas? Discuter avec le robot. Tu dois pas? Non. Tu fais pas ça. Tu vas aller d'abord aux toilettes. Moi, ça va être fait. Qu'est-ce que tu veux avec ton chéri? Enlacé. Ben oui. Alors. Où tu es? Aux toilettes. Ensuite, trouver des objets à collectionner. Alors, c'est quoi ça? Pour obtenir plus d'objets collectionnés, vous pouvez creuser sous les pierres. Bah oui, d'accord. Bah oui, hein. Écoute, si... puisqu'il le faut. 10. Bah c'est bien. C'est ce qu'il faut en plus, non? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a ça, là? D'accord. Anton Beckett. Salut Scarlett, que dirais-tu de rejoindre le groupe Accord Majeur? Ben, non, quoi. J'ai pas le temps. Putain, mais c'est vrai qu'il y a les groupes. J'adore les groupes, moi. Il va falloir que... Putain, ouais, je la mettrais peut-être dans un groupe... Bon, comme ça. Voyons voir. Elle travaille quoi? Jusqu'à 19h, demain. Ouais, 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 donc elle travaille encore. Les jours où elle travaille pas, je vais la mettre dans un groupe où elle pourra, par exemple, chercher des trucs, faire du jardinage... Ouais, c'est pas mal, ça. Je pense que je vais faire ça. Arroser une plante. Allez, tiens. Non, arroser, on a dit. Viens ici. Ah, j'ai trouvé que deux objets à collectionner. Ah bah oui, elles sont là, les pierres. Allez, tu vas arroser. Tu vas creuser. Creuser, creuser, creuser. Stop, ça suffit. Et aller pêcher pendant 20 minutes. Mais il y a un truc pour pêcher, là, aussi. Oh là là, mais... Je ne sais pas. Ah ouais. La fille qui découvre le jeu. Ok. Bah c'est cool, on va les pêcher. Allez. C'est sympa cet endroit d'empêche. Hein. J'ai jamais construit dans les, dans ce genre de lieu. Ce serait peut-être un nouveau challenge à faire. Pas mal. Ou carrément créer... ouais, je pense que je vais essayer de créer un centre scientifique aussi, un de ces quatre. Parce que celui-là, je me perds à chaque fois, quoi. Allez, vas-y. Où tu es? Va pêcher. Tu peux pas courir plus vite? Ah si, ça y est. Attends, mais c'est loin en plus. Et elle a pas fini toutes ses... tous ses objets à collectionner. Tu as une vitesse 3, mais des fois la vitesse 3, elle marche pas super bien, quoi. Allez, donc là, tu pêches. Et bah, c'est fini, hein. T'as pêché, donc c'est bon. Trouver des objets à collectionner. On va repartir sur les pierres. Il va falloir, un de ces quatre, quand même, que je regarde un peu tout ce que je ramasse dans l'inventaire. Parce que j'ai même pas regardé. Allez, elle a déterré une capsule. Elle a trouvé une carte au trésor, elle a trouvé du métal. Voilà, et ensuite, où c'est que tu peux en trouver? Ah, là aussi, il y a des trucs pour pêcher, non? Ah non. Ok. Ça, c'est quoi? Cette ressource a déjà été récupérée. Mais je sais même pas ce que c'est, ça. Allez, vas-y, creuse. On va creuser à la recherche d'un trésor, puisqu'on a aussi une carte. C'est chouette par là aussi. J'aime bien les mondes désertiques aussi chez les Sims, c'est chouette, je trouve. Dommage qu'on en ait qu'un, en fait. Non, tu arrêtes avec ton téléphone. Ah, ça aussi, ce serait cool, hein, qu'on puisse les désactiver, ces téléphones. C'est pas les gens qui font des apocalypses qui vont me dire le contraire, à mon avis. Allez, tu creuses. Donc, on a bientôt fini. Vas-y. Ouais, t'es contente. Allez, vas-y, 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 vas-y. Oh là là, mais aujourd'hui, c'est vraiment la galère, la journée de boulot. Hein. On va
dire rester tard. Vas-y. Où aller? Ouais, je la fais courir un peu loin, mais bon. Vas-y, 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 vas-y. J'ai envie de la pousser. Encore. Ah non, 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 c'est bon, on a fini là. Oh, mais ça fait que ça. Pff, c'est mais quelle arnaque. Demandez un cristal à un collègue. Alors, attends, moi on est là. Je suis paumée. Alors, tu reviens ici. Dommage qu'on peut pas qu'on puisse pas se téléporter encore. Demandez un cristal. Allez, tu vas demander un cristal. Si tu arrives à courir. Et elle est fatiguée. Allez. Ouais, la journée de boulot, aujourd'hui, c'est pas terrible. Il y a des jours avec, des jours sans, hein, c'est comme ça. Tu as demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Il est parti? Non, il est là. Non, il est pas là du tout. C'est pas du tout lui. Il est où? Ah non, mais il se barre. Bah ouais, il quitte tous le boulot. Bon, tu peux lui demander à lui, peut-être. Quoique, il est peut-être pas très... C'est lui que j'ai gelé, je crois, la dernière fois, non? Je pense qu'il serait peut-être pas très content. On peut pas? Bon, ok. Appelez le conseil de géologie à propos d'un métal. Bon, on va faire ça. Ça semble dans mes cordes. Voilà, est-ce que ça c'est bon? C'est terminé dans une heure, sa journée de boulot. Tu mets 3 heures à appeler un conseil. Voilà, ça y est. Au moins un petit peu plus. Alors, améliorer le rayon sim avec transformer un objet. Demander un cristal. Et il n'y a plus personne là. Améliorer le rayon sim. Alors, comment on fait ça? Améliorer... vous en avez niveau 8 en compétences de bricolage. Mais bien sûr. Bon, bah écoute. On est un peu dans le caca, là. Pour dire les choses. Oui, je sais, t'en as marre. Mais écoute, allez, vas-y, quitte ton boulot. Non, remarque, ne quitte pas ton boulot. Qu'est-ce qu'elle fait? Retourner au terrain actif. Bon, allez, t'en as marre. Où tu vas? Non, mais où tu vas? Manger un sandwich. Non. Allez, t'as bientôt fini. Courage. Allez, tu viens ici. Voilà. Bon, fin de la journée de travail. Je crois que là, t'as bien mérité un petit câlin avec ton chéri. Voilà. Bon, on est arrivé. Alors, ma pauvre Scarlett. Allez, tu vas aller manger. Où il est? Ouais, lui, il est heureux, tranquille, pépère, à l'ordi. Qu'est-ce que tu regardes? Il est en train de discuter? Allez, stop. Tu arrêtes, mais tu vas aller prendre ta douche. Voilà. Oh, toi aussi, hein, la pauvre. Elle est dans un état, la pauvre. Non, 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 mais qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, toi, tu vas arrêter de jouer dans les ordures. Elle n'était pas en train de jouer, elle était en train de manger des ordures. Oui, non, alors tu ne manges pas des ordures, s'il te plaît. Mais les gens n'étaient pas contentes. Bien sûr, bien sûr. Oh, la pauvre, elle est pas bien. Bon, non, 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 tu vas prendre ta douche. Voilà. Mon chéri, je sais même pas où il est. Tu vas prendre ta douche. Tu vas aux toilettes. Et tu vas dormir. Il est où, lui? Lui, il est en train de boire un verre d'eau. Bon, tu arrêtes de boire un verre d'eau. Et nous, on va aller pêcher. Allez, on va retourner... ici, mais c'est pratique, c'est juste à côté.
Voilà, il est au niveau 3. Il y a plusieurs... Il faut aller dans d'autres endroits, mais bon. On ira plus tard. Bon, c'est ce que je sens. Hein. Ouais, remarque, j'ai 82 179 simflouz. Ouais, donc ça va. Je pense que on va pouvoir rester dans cette maison un petit moment quand même. Je changerai peut-être un peu plus tard. C'est beau, j'adore Winnendel. Allez, hop. Tu rentres à la maison. Mais je pense qu'il va aller préparer le petit déjeuner. Scarlett pour demain. C'est ce que t'allais faire, hein, bien sûr. Des macaronis au fromage. Bah oui, écoute, si tu veux. Ça, c'est bon. Elle peut manger. Ça, tu peux. Alors, est-ce que le chat... J'ai mis toutes les 3 heures. Est-ce que ça marche? Je sais pas, j'ai pas vérifié. Angie m'a dit que ça marchait pas tout le temps. Qu'est-ce que t'es en train de faire encore, toi? Des bêtises. Allez hop, je vais faire la vaisselle moi aussi. Voilà. Allez, tu vas faire quoi? Soin donné aux animaux. Nourrir. Ah mais là il est faim. On va attraper sa queue. Attends, où tu vas? D'abord, tu vas nettoyer. Ah oui, mais la litière, en plus, elle est sale, il faut la nettoyer. Ah, il y a les crottes et tout dedans. Génial. Ok, voilà, c'est bon. Attends, c'est vite fait de nettoyer la litière. Hein. Cool. Allez, voilà, maintenant tu peux aller... non, j'ai dit que tu... Ouais, c'est bon, bah, il a préparé. Hein. Allez, hop, ça, on va ranger. On va aller... Bah, va aux toilettes. Vas-y. Et ensuite... Ensuite, je pense que je vais la réveiller pour faire un câlin, parce que comme ça, au moins, ça va augmenter son... Parce que là, elle a un divertissement pas terrible. Et ça, c'est une bonne technique. Salut, chérie. T'es pas contente? Allez, hop. Ouh, salut. C'est la première fois, en plus. Sortez les bougies. Comme ça, au moins, ça risquera... d'augmenter voilà, son divertissement et elle sera en meilleure forme. Normalement. Si tout se passe bien, c'est bon. Voilà, mais ok, mais je vais dormir quand même encore. Ah non, elle est malade? Ah non, non, non. Prendre dans ses bras. Ah mais déjà? Oh mais putain, ça passe vite, hein, j'ai même pas vu. Voilà, bon. Bon, je pense qu'après cette journée de boulot... j'arrêterai parce que sinon ça va faire trop long. Et voilà, donc, alors, mais où elle va? Je sais pas ce qu'elle veut faire. Faire une analyse. Eh ben écoute, mais c'est bien, vas-y. Qu'est-ce qu'elle analyse? Ah ouais, non, ça marche pas. Zut. Je me dis, oh, c'est cool, ça marche tout seul, tranquille. On va analyser une fraise, vas-y. On doit analyser un fruit ou une fleur, préparer un sérum de nourriture. Et à la fin, eh bien évidemment... Ah mais elle a pas des fraises qui traînent ici, hein. Pour manger un peu. Attends, stop. Si, on va manger un peu des fraises. Comme ça. Ça va un peu la calmer. Ça monte pas beaucoup, hein. Je suis pas prête pour l'apocalypse du tout, moi. Vas-y, mange. Voilà. Donc, ensuite, demander un cristal à un collègue. Wade est revenu. Alors, je vais lui redemander un cristal. Une nouvelle recette de greffe a été découverte. Consultez le carnet pour voir quelle nouvelle plante Scarlett peut créer. Oui, on verra ça plus tard. Pas de problème, j'ai quelques cristaux supplémentaires. Ben c'est cool. Alors, faire la connaissance d'un collègue. Voilà, on va faire la connaissance de Wade. Si je peux. Normalement, oui. Ouais.
Ensuite, préparer un sérum de nourriture. C'est où? C'est là? C'est pas là? Mais je confonds tous les instruments, absolument tout. Non mais ça c'est les mêmes hein. Ouais mais c'est pareil là-bas en fait. Abandonner le sérum. Ah ouais mais attends. C'est quoi ça? Ouais ben voilà c'est pour ça. Alors, sérum de nourriture. Vas-y, tu peux y arriver. J'espère que cette fois-ci elle va finir son... Améliorer les enzymes. Donc ça je peux laisser tomber. Discuter avec Mathieu. Alors Mathieu c'est qui déjà? Est-ce que c'est lui? Non c'est pas lui du tout, lui c'est Yann Lefebvre. Mathieu c'est lui je crois. C'est lui. Tu dois discuter avec lui. Ah ouais ça peur des vampires. Ouais ça sent le vampire ça. S'enthousiasmer à propos des vampires. Faire connaissance allez. Ce sérum a l'air un peu contaminé. Scarlett devrait le jeter. le tester sur quelqu'un d'autre. Le lapsus révélateur. Scarlett devrait le tester sur quelqu'un d'autre. Oui, oui, non, mais je comptais pas le tester sur moi. Hein. Allez, vas-y, où tu es? On te dépêche. C'est lui. Boire un sérum tout rouge. Discuter avec le constructeur d'invention. Alors. Discuter avec le robot. Pourquoi t'es en colère? Ah oui, bah, évidemment. Ça marche pas. Alors, ensuite, boire un sérum tout rouge. Salut Victoria. Améliorer le rayon sim. Boire ou donner à quelqu'un le sérum non testé. Tiens. Alors, comment on fait? Fulminer et s'emporter, faire semblant de renvoyer. Non, alors il faut prendre. Où c'est qu'il est ce truc? J'ai un million de trucs là. Ah mais on peut augmenter là, c'est vrai. Alors. Ça ressemble à quoi? Est-ce que je l'ai là? Ouais, c'est ça? Non, nourriture synthétique. Il faut que je le fabrique ou quoi? Je ne sais pas, faire nanana, c'est où encore? Sérum tout rouge, basilic, machin, bon. Non, bah tant pis. Hein. Ah si, remarque, ouais, je vais lui donner... Je vais lui donner peut-être celui-là. Comment je fais pour lui donner à boire? Je ne sais pas du tout. Tester un sérum. Allez, c'est bon, c'est ça. Nourriture synthétique. Arrête de parler avec Victoria. On va voir si ça marche. Je crois que j'ai jamais fait ça. Hein. Ou alors, si je l'ai fait, c'est hyper longtemps. Alors, comment tu te sens? Discuter du travail avec Wade. Il est passé où, Wade? Oh, Wade, je suis toujours en train de le chercher. Discuter du travail. C'est là. Vas-y. Ça y est, arroser une plante. Allez. Hop, 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 hop. Ah oui, t'avais envie d'aller aux toilettes, mais bon, ma cocotte. Améliorer le rayon sim, donc non. Donner un sérum non testé à un collègue encore. Tiens, allez, Wade, on va te tester. Alors, c'est où déjà? C'est là. Tester un sérum. Nourriture synthétique. Arrête d'arroser. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Bon, là, ça, le pipi devient urgent. Ça y est, elle a bientôt fini de toute façon. Même elle a fini. Donc du coup, bah, je sais pas.
Argent gagné, 457. Moi, c'est pas mal. T'as bien bossé. Voilà. Bon, ben, je pense que je vais arrêter là. Parce que là, ça commence à faire. Hein. La pauvre. Voilà. Ben, je vous retrouve bientôt pour la suite. Bisous.